Père, ton miracle
Cette personne parce que tu es dans une autre vie.
Alléluia. Gardez ces secrets. En gardant cela, tu es en train d'enseigner quelqu'un quelque part. Amen. Ne livrez pas ces secrets parce qu'aujourd'hui la personne t'a manqué de respect. Parce qu'aujourd'hui la personne ne marche plus comme tu veux. Il y a ce qu'on appelle la destinée et la destination. Amen. Cette personne dans ta vie était une destination, mais ce n'était pas la destinée. Si aujourd'hui tu as permis que vous puissiez vous séparer, c'est que la personne est arrivée à destination. Et quand il n'y a pas séparation, ça veut dire qu'il y a destinée. Et ce matin, tu dois prendre cela avec action de grâce. Amen. Il faut toujours éviter de prendre des termes bibliques pour justifier un péché ou pour justifier une situation dans nos vies. Ce n'est pas parce que tu as traversé par un accident. Ce n'est pas parce que tu as traversé par une maladie. Ce n'est pas parce qu'on t'a enlevé du travail qu'on appelle ça le brisement. Non. On n'utilise pas le brisement pour briser. Non. Dieu sait quand est-ce qu'il utilise le brisement. On parle de brisement dès l'instant où l'Éternel veut faire quelque chose dans ta vie. Si tu ne marches pas conformément au principe de la parole et que la vie te corrige toi-même, ne mets pas cela le brisement. Ce n'est pas le brisement. Alléluia. Amen. Il faut avoir le discernement à quel moment Dieu m'attend au brisement. Et si tu es un enfant de Dieu, il faut savoir. On parle de brisement dès l'instant où notre vie ne ressemble plus à celle de Jésus. Voici en ce moment on parle de brisement. Parce que je ne crois pas qu'un enfant de Dieu qui paye sa vie avec son revenu du travail et qu'on le limoge de là-bas et il dit qu'il a été brisé. Ce n'est pas le brisement. Tu as fait ta part, Dieu t'a fait sa part. Donc si il y a une situation dans ton travail où on t'enlève du travail, derrière cet enlèvement se cache une Jérusalem. Amen. Et vous devez avoir ce qu'on appelle le discernement. Alors ce soir, ce matin, vous devriez parvenir à votre passé. Parce que le thème que nous devons aborder ce matin, c'est la malédiction existe. C'est ça le thème. La malédiction existe. Et je vais te démontrer que la malédiction existe. Il ne faut pas vous appuyer sur les versets bibliques qui vous arrangent parce que vous voulez justifier un paramètre de vos vies. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je le répète, et je le dis haut et fort, devant toutes les personnes qui me suivent. Attention aux églises où vous mettez les pieds. On ne met pas les pieds n'importe où. C'est pas parce que quelqu'un sur le micro de cet homme de Dieu. Attention. Satan maîtrise les prophéties. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé sur toi pour te donner la pointure de ta chaussure que tu as dit que ça c'est un grand prophète. Mais ça là, il faut avoir le discernement. Le type là est une machine de guerre. On ne joue pas avec Satan. Satan n'a pas besoin de te tenter encore ce soir. Non, il envoie seulement un démon. Un démon que toi-même tu as commencé à régner l'Éternel. Tout ce qui nous arrive là doit être la conséquence du manque d'obéissance. Vérité, papa. Si tu as un caractère orgueilleux, tu entretiens ça avec un titre foncé de l'orgueil, ça va envoyer un démon pour te soulager. À un moment donné, si tu ne prends pas conscience de ce petit démon là, il va t'envoyer la clim. Alléluia. Pour climatiser ce péché. Et tu auras du mal à sortir de là. Pourquoi la fléchure te frappe? Alléluia. Amen. Et ce matin, on doit humilier Satan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut être très vigilant. C'est pas la prédication. Là, c'est juste un conseil. Je dois te conseiller, je dois te parler ce matin. Et je vais t'enseigner en principe. C'est que c'est qu'aujourd'hui là, tu vas recevoir ton enseignement. Amen. Alléluia. Parce que l'Éternel a dit enseigne à mon peuple. Nous sommes en train de fêter la joie et la disparition d'une arme fatale. Quelqu'un dit c'est la guerre. C'est la guerre. Est-ce que vous ne constatez pas une vie ici? La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Les armes avec lesquelles vous combattiez ne sont pas charnelles. Elles sont efficaces par la vertu du Saint-Esprit. Et cette arme-là nous accompagnait dans l'excellence avec les Maintenant qu'elle n'est plus là, on peut faire quand même le deuil. Alléluia. C'est pourquoi il y a un couple,
dit les chants, les femmes ont commencé à faire la batterie avec la bouche. Et les hommes là-bas. Vous savez, non? Parce qu'il y a deux sons. Il y a le son classique et il y a le son de la étoile là. On fait les yeux avec la. Comme ainsi les trucs là. On peut même créer même une batterie. Si on prend la bâche, on le pose là. Quelqu'un dit dimanche prochain. On va créer ça ici. Alléluia. Alors soyez bénis, soyez très concentrés. Je crois qu'il y a des témoignages. On va les dire rapidement. Alléluia. Il y a combien de personnes ici là? Ah, ils sont nombreux ici. On va appeler rapidement l'apôtre Maman pour son témoignage. Bien rapidement. On a le frère Lugon. On a le frère. On a le frère l'évangéliste Fiac. Alléluia. Ah oui, on a la présidente. Elles sont ensemble, son témoignage, là c'est la forme. On a l'apôtre Joseph. Non, tu as encore dit aujourd'hui, Seigneur. On a aussi la sœur Jolina. Et enfin, nous avons le pasteur Itza Komani du ciel, que Dieu vous bénisse. Je vais m'oublier, attends, maman, viens. On va d'abord faire venir l'évangéliste aimé. On encourage d'abord l'évangéliste aimé. Alléluia. Encouragez l'évangéliste aimé. L'onction de loin, c'est ça de quoi je vous parle. Encouragez votre frère. Dans la foule.
cassé le côté à la tête. Quand la côté casse, même pas dans la tête, il a avancé. Pendant que l'ange tape le côté de pédale. Ça m'a étonné de le voir. Un jour, pendant que j'étais en train de rouler avec 2 ans, je l'ai aperçu en train de faire un reportage avec les motos. Lui m'a dit, il m'a dit, 2 motos, dit tout haut, encore lui. Et lorsque je suis arrivé à l'hôpital, je l'ai croisé sur le lit d'hôpital. Il est sorti. Et il ne s'est pas limité là. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il a tellement été là pour tous les malades. Lui était malade, lui était vraiment, il était le docteur des autres malades. Au point où il prenait soin des autres malades. Ça montre que Dieu avait quelque chose à faire dans sa vie. C'est vraiment un témoignage. Je pouvais arriver à cette salle d'hôpital. Quand j'ouvre la porte, je le croise, il écoute ses louanges. Il a dit, pour moi le fruit, c'est plus les fruits. C'est le jardin d'Éden. Je veux manger l'Éden. Et il est là. Là son témoignage. Alléluia. Amen. C'est ma première de fois de visiter les églises. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais cru à cette communauté. Comme disait le pasteur, j'ai fait, excusez-moi. Pas grave, si ça c'est la même chose. J'ai fait les vaccins du village. Pour la baba, ça a marché, mais avec Dieu, c'est pas ça. Je suis un pratiquant, je vais en assurer. J'ai eu des accidents, et je suis parti. Et je n'ai jamais eu ce que j'ai subi aujourd'hui. Je suis abandonné à moi-même, même ma famille, mes amis. Mes parents, personne n'est là. C'est un accident de voiture. Ça s'est passé il y a 2 semaines à Saint-Georges, environ 19h. Il y a une maman qui m'a demandé un service. Je voulais traverser la route et compte tenu qu'il y a des braquages qui se font, j'étais sur ma moto. Un cœur m'a dit non, ne pars pas. Cœur m'a dit, vas-y, on ne sait jamais. J'ai pris mon courage et ma force. On a traversé la route, la dernière heure est rentrée jusqu'à la rencontre de son arbre. C'est en retour, en revenant, après accompagner la dame. Apôtre, maman, pour la route à soi, on a conservé la hauteur de la position. C'est en revenant que le véhicule me prend sur le terre-plein. J'avais déjà traversé la route. Il y avait un jeune homme à côté de moi qui me dit attention encore. Au moment où je me retourne sur le pied droit qui me porte, qui me percute, je reviens, il y a un taximan qui venait derrière moi, je me trouve sur le capot du taximan. Le monsieur, quand il me percute, il voulait fouiller. Mon pied s'est trouvé entre les deux véhicules. Mon pied droit s'est trouvé entre les deux véhicules. Donc je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai senti un pressentiment en moi qui est venu, une voix qui m'a dit, lève-toi, ne dors pas. Je me suis levé, on avance, je ne savais pas que le pied était touché. Je me suis attrapé sur le véhicule, en voulant traverser, on a tenu 3 fois le caniveau qui sépare la route. Comme ils étaient 2, l'autre du côté 3, tant qu'on me tapait le coup de poing sur le visage, moi ce que j'avais en idée dans la tête, c'était d'enlever la clé pour faire le contact. Ils étaient bourrés. Ce jour-là, je ne peux pas dire, je ne sais pas quoi dire, peut-être que le Seigneur est à l'heure dans ce jour-là. J'ai reçu un peu le contact. Du coup, je l'ai fait descendre. C'est lui qui était le côté droit, côté passager, est venu vers moi. Une vraie bagarre avec moi. Comme ça que j'ai essayé de le dominer dans la bagarre. Et il a fui. Et de là, le chauffeur est venu vers moi. Et quand je l'ai pris sur une prise, je suis tombé. Je ne peux me réveiller que sur le lit de l'hôpital. Je ne savais pas que je pouvais me réveiller. Il m'a arrivé.
une ex à moi aussi qui passait par là, qui a suivi la scène, qui m'a accompagné. Jusqu'aujourd'hui, elle est là. On a demandé au monsieur de prendre la charge, il a dit arrive, il a laissé son permis de conduire. Compte tenu que je suis militaire, je prends la charge à mes frères. Je suis parti, on m'a interné, la salle là d'où j'étais, j'étais abandonné en moi-même. Voilà, après le bloc, il y a un jeune homme qu'on amène, qui est le beau-frère du prophète. Quand il arrive, comme je vous ai dit, j'étais abandonné à mon Dieu, il même les corps avec lesquels j'ai dormi dans cette chambre. Quand je dormais, j'écoutais les voix. Ça va aller, tu n'es pas seul. Mon frère, je n'ai rien dit. C'est comme si on m'ouvrait la porte. La fenêtre, quand vous ouvrez le matin, vous voyez comment les éclairs du soleil vous frappent. Tout d'un coup, le prophète rentre. C'est comme si on m'ouvrait la fenêtre. Oh, aimé, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ah, prophète. C'est un accident de voiture. Je suis abandonné à moi-même. Je dis non, tu n'es pas abandonné à toi-même. Ça va aller. C'est comme ça qu'il est venu vers moi. Il m'a tenu la main gauche. Il a commencé à prier. Il me dit non. Moi, je ne savais même pas qu'il était prophète. Parce que quand je l'ai connu, quand vous m'ont dit, il travaillait au tribunal. Donc, il m'a dit non, je suis prophète. Déjà, tu vois, Dieu, mon église, parce que là. Si ça se m'a dit, j'ai un sixième sens qui est venu vers moi. Ah, est-ce que ça, c'est pas les gens de la politique là et tout ça? Parce que nous, on ne fait pas politique. C'est tout comme ça. Il a parlé comme il a pu parler. La soeur aussi présente, après mon numéro. J'ai dormi. Je n'ai jamais fait un songe comme ça depuis que je suis né. Il y a un homme, vêtu en blanc, assis comme il a assis là, avec son visage. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour servir Dieu. Je me suis réveillé. Il était 3h du matin. J'ai réveillé l'autre patient qui était à peu près tard. Et c'était un tard à tard. Quand je dors depuis que le prophète est arrivé, je vois un monsieur qui vient à chaque fois me parler. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour servir Dieu. Est-ce que ça, c'est pas le truc de la politique? Je répétais ça 3 fois. Elle me dit, ah, toi aussi, bon, comme on adore s'amuser. Ah non, toi là, vraiment, chambre à louer, tout ça. Non, c'est la vérité. Et après le départ du prophète, j'ai une chambre pour où j'avais envie de faire les selles parce que j'avais perdu cette envie de faire les selles et uriner. Je me suis levé, il m'a donné le vase, j'ai uriné dans le vase. 2 jours après, ils sont encore arrivés. Il a dit non, je vais te voir à l'église. Ah, le type là me dit, il veut me voir à l'église, ça c'est pas la politique. Non, ne fais pas politique. Ah, il me dit non, va d'abord, ne sais jamais. Je dis ok, je vais partir. C'est comme ça que la soeur ici, par exemple, a envoyé le message. Je savais le prophète qu'on arrive. Je n'avais pas d'habitude. Sans vous mentir, je n'avais pas d'habitude. C'est après les fruits que la soeur m'a amené, les fruits des dents comme le coup de vie. Quand je les ai mangés, sans vous mentir, j'ai eu l'appétit. J'avais envie vraiment de manger. Même si les sages-femmes, les infirmières amenaient, je ne mangeais pas. Je donnais à l'autre. C'est après que j'ai bouffé les fruits qu'ils ont amenés et j'ai eu l'appétit. Amen. Au sorti de là, je suis parti. On m'a ramené au bloc parce qu'il fallait me mettre. Oh non, j'ai demandé à peu près parler. Et d'abord, il est arrivé. Quand il est arrivé, dans la soirée, aux environs de 15h-16h, j'ai fait un songe. Où il y a un jeune homme qui est debout devant la porte de l'hôpital, qui me tend la main, qui me fait ça. Depuis que le type là est arrivé là, il fait un peu de songe. Toi, tu me tends la main, tu m'amènes où? Je ne te connais pas. Dans le sommeil, sans que je me réveille,
je trouve une bouteille d'eau d'origine posée sur ma table. Je vais au lit, je fais un peu de dormir. Je n'arrivais pas à poser mon pied au sol. Mon pied était détendu. C'est après la prière du prophète. J'ai essayé de poser mon pied à même le sol. Amen. Et là, sans vous mentir, j'étais vraiment, vraiment fatigué. Hier soir, aux environs de 19h, non, 14h, j'ai reçu le coup de fil de la soeur ici présente. Elle a persisté. Bon, moi, je ne croyais pas à cela. Elle me dit, elle veut me voir à l'église. Ok, c'est arrivé. Même là, je suis attendu même par mon chef. Je devais aller faire le compte rendu par rapport à l'accident. J'ai d'abord le préféré laisser ça et venir ici. Ce matin, je ne sais pas quelle est la force que j'ai eue. On va me lever tous ceux à la douche, prendre un seau d'eau et me laver. On va porter la couleur. Du Seigneur, il faut te dire que comme le peuple du Saint-Esprit, c'est Dieu qui a commencé à t'enseigner au travers ce cet acte compliqué, mais d'amour. Tu as perdu les totems, tu as perdu la colère et tu as retrouvé l'amour en toi. Amen. Cet amour que tu as retrouvé là va t'amener à une autre dimension avec le Seigneur. Mais prie beaucoup pour tes frères, prie beaucoup pour l'armée, prie aussi pour toutes les personnes qui étaient dans la même situation que toi. Et ce que Dieu va faire avec toi sera gigantesque. Je vais prier pour toi tout à l'heure et Dieu va continuer de faire certaines choses. Mais ne manque jamais de parler de ce grand Dieu partout où besoin se fera. Et lorsqu'une situation arrive, présente l'amour. Présente l'amour. Il va arriver des situations dans la vie où lorsque quelqu'un veut accuser, tu vas gifler la personne par amour. Alléluia. Amen. Oui, là ce sera plus gifler par la colère, mais par amour. Alléluia. Il faut qu'on soit sérieux et sincère. Oui, Dieu a commencé et va faire. Amen. Sauvez-le. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour mettre grâce à Dieu. Puissant le langage de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Si je suis ici ce matin, ce témoignage d'abord, c'est pour rendre grâce à Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20. De rendre continuellement grâce à Dieu en toute chose au nom de notre Seigneur. Beaucoup de personnes sont parfois ingrates, ne reconnaissent pas le bienfait que quelqu'un fait à la personne ou ce que Dieu fait dans nos vies. N'êtes même pas reconnaissant. Je vais exhorter le peuple de Dieu ce matin. Que ce que j'ai eu dans ma vie, la grâce que l'Éternel m'a accordée, et pour le faire aussi pour toi. Amen. J'arrive à MPR, je suis tellement troublé. Dieu l'a béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? J'arrive à MPR, je suis embarrassé. Je reviens de quelque part. Je dis, Seigneur, trouve-moi un lieu de culte où je vais vraiment, où tu es adoré en esprit et en vérité. Je suis allé dans peut-être trois endroits. Mais comme Dieu, il ne dort jamais, il est sommeil. Il m'a dit, vas-y. Je suis venu à MPR par le biais de
Voilà un diapo que vous connaissez. La sœur Renan. Quand j'arrive, à ma grande surprise, l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui m'a vu quelque part souffrir. J'ai dit, Seigneur, si c'est ce lieu que tu désires que je sois, manifeste-toi. Je vous raconte une petite histoire. Mon passeport, je le garde. Je garde mon passeport avec le visa des États-Unis de 5 ans. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire dans la vie d'un homme. De perdre un passeport avec un visa. Même si vous allez le renouveler, ce n'est pas le même visa qu'on vous donne. Il était question que j'arrive à faire mon passeport. C'est quand j'arrive à un père, je suggère le problème à l'homme de Dieu, il me dit, vas-y. La même semaine où je vais au Seigneur pour faire mon passeport, je reçois mon passeport une semaine après. Amen. Amen, amen. La reconnaissance. J'ai dit, il faut que je remette le visa des États-Unis à l'intérieur. Je vais à l'ambassade des États-Unis, on me dit, monsieur, le visa est expiré. Non, le visa s'expire en juillet 2022, donc c'est un bon cours. Allez refaire le dossier, monsieur Mavoro, et vous revenez prendre votre visa. Je suis allé refaire le dossier. On m'a demandé, puisqu'on le fait en ligne, c'est juste en septembre que je vais passer. J'ai fait la connaissance d'un ami. Il me dit, il faut prendre un tangent. Je vous rassure que mon ami, lui, il est musulman, mais moi, je suis chrétien. Il dit, ok, je vais t'accompagner. Aujourd'hui, je suis à 30 jours de jeûne déjà. Je suis à la montagne. Il me dit, je dois aller rencontrer l'autorité en place d'un visa où je reviens de quelque part. J'ai dit, avant lui. Il me fait faire la connaissance de ce monsieur. Je vous rassure que nous avons dîné ensemble. Deux jours après, il me fait comprendre. Je lui dis, j'ai besoin d'arriver dans votre pays. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il me dit, d'accord, apporte-moi ton passeport. Moi, je suis en direct. Je parle, l'Éternel est mon témoin. Amen. Je reviens, je lui remets le passeport. Deux jours après, il me donne un an de visa. Amen. Je ne vais pas citer le nom de ce pays parce que je suis en direct. C'est pas nécessaire. Amen. Amen. C'est pour dire au peuple de Dieu ce matin de rendre continuellement grâce à Dieu en toute chose. Amen. Tout ce que Dieu fait dans nos vies est bon. Amen. 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 Il ne faut pas faire torturer l'esprit à dire, oh, on m'a chassé du travail, j'ai plus de boulot. Non. Parfois Dieu t'enlève un boulot où tu touchais 100 000. Il fait qu'on t'enlève, tu retrouveras un boulot de 500 000. Amen, amen. Amen, amen. Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai dit ce matin que je dois témoigner les bienfaits de l'Éternel. Amen, amen, amen. 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 Là, ma parole au Seigneur, tu nous offres ton visa, la reconnaissance. Au suivant, toi qui as été cité rapidement. Ma soeur aujourd'hui, évangéliste. Voilà. Bon, il passe vite parce qu'on va assez écouter. Shalom, mon témoignage. Dieu. Shalom. Mon témoignage, c'est pour rendre grâce d'avoir été premièrement pour ma vie. Ici, la semaine dernière, lorsque la vie avait fait la ligne de prière, lorsqu'il priait sur moi, on avait dit de faire attention. Je devais boire beaucoup d'eau parce que j'ai déjà espéré d'avoir un problème au niveau du rein gauche. Arrivé à la maison, je commençais à appliquer son conseil. Et puis au cours de la semaine, j'ai commencé à ressentir la douleur. Je vous assure que même faire ça, bouger, je n'arrivais plus. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à l'évangéliste Blanchard que voilà la situation que je traversais. Il m'a demandé de prendre l'huile, donc c'est une chose que je n'avais pas. Il m'a dit de prendre un verre d'eau et de prier dessus. Et lorsque j'ai lu son message, il m'est directement venu à l'esprit de prendre le vêtement que David avait en ici, de le porter, d'ouvrir la Bible. Dans Philippiens 4:6, j'ai posé le verbe dessus et je me suis mis à prier, réfléchir mes genoux.
Je vous assure que une heure après, le mal avait disparu. Et ça les fait encore le mal, encore le mal. Acclamons le Seigneur. Voilà. Alléluia. Quelqu'un dit, il y a un rêve prophétique, comment prophétiser. Allons-y vite, rapidement. On attend le témoignage de l'évangéliste apôtre Jean. Ta mère, évangéliste. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin pour cette consolation que j'ai trouvée en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai perdu ma maman lundi. Et comme la Bible le dit, il faut rendre grâce à Dieu dans toutes choses. Je bénis le nom de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu. Dans le même véhicule, il y avait mon petit frère à l'intérieur. Par la grâce de Dieu, il va bien. Et j'ai connu des coups dans ma vie. J'ai perdu des êtres chers. Mon papa, ma soeur que j'aimais tant. C'est-à-dire, j'étais du genre, quand il y avait des scènes, c'est moi qui m'évanouis. C'est moi qui tombe. C'est moi, je me retrouve. En fait, j'avais des choses comme ça. Je tombe, je m'évanouis, je perds connaissance. Mais depuis que j'ai perdu ma maman, j'ai plus connu ça. La parole de Dieu me fortifie, je ne comprends pas. Je dors comme un bébé. Je me réveille le matin, je me demande même si j'ai rêvé. J'ai une paix que je ne trouve pas les mots pour expliquer. Il n'y a pas les mots pour dire que je ressens, mais c'est Jésus qui console. C'est Jésus qui nous console. Ça ne sert à rien de se lamenter en disant maman est partie, mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est que lorsque le Seigneur décide de fermer une porte, c'est-à-dire dans la chair, on pense que tout est fini. En fait, on voulait s'attacher à cela. Mais je vous assure que la porte que Dieu ouvre après ça est plus grande que celle qu'on a fait. On a tendance à vouloir regarder derrière. Mais en réalité, l'avenir est devant. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Shalom. Alléluia. Ça y est, consolez, vous qui avez perdu aussi les êtres chers. Alléluia. Évangéliste apôtre. Shalom, peuple de Dieu. C'est la fois qu'on est ramené ce matin au nom de Jésus. J'ai un puissant témoignage ce matin. Mon témoignage, c'est que, bien aimé, nous attendons tous les jours des choses de l'Éternel. Mais pour recevoir ces choses, pour être fidèle à l'homme que Dieu a mis à tes côtés. Parce que le Dieu que nous prions ne descend pas du ciel pour te bénir. Là, c'est le Dieu des fidèles. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob que nous prions, passe toujours par un homme pour faire quelque chose dans la vie d'un homme. Donc, mercredi, le prophète est invité dans une église pour un séminaire de deux semaines. Il devait intervenir mercredi et samedi. Il me dit, après, il faut que tu sois dans cette église mercredi. J'ai des moments vécu, mais que à 16h, je suis à l'église. J'attends le prophète pour faire les gens. J'attends tout le monde, il n'y a personne. Mais le Seigneur est là. Un peu me dit, je retourne, l'autre me dit, je reste. Mais quand tu as le discernement, bien aimé, il faut comprendre ce qu'il explique. Parce que parfois, la chair veut te faire rater ce que l'esprit veut te faire gagner. À cause de la distraction. J'ai obéi à la voix de l'esprit qui m'a dit, reste au Seigneur. Bien-aimés, ce jour, j'ai reçu. Deuxième jour, j'ai encore reçu. Et le troisième jour, quand le prophète est venu intervenir, bien-aimé, quelque chose s'est passé. Alléluia. Il dit que quelque chose s'est passé. En fait, j'ai regardé le prophète, me poser la question, est-ce que c'est mon père? Est-ce qu'on a changé là où il était avant? Parce que ce jour-là, il n'était plus la même personne. Et je vous rassure,
que la connexion que notre Père a avec le ciel. Soyons seulement fidèles et écoutons les instructions. Parce que cet homme de Dieu, ce prophète-là, ou le bonhomme, on dit au séminaire, il ne me connaissait pas. Mais il m'a dit des choses, et le prophète lui-même m'a dit, après, ce qu'il t'a dit est vrai. Pourquoi? C'est parce que j'ai écouté la voix qui m'a médité, qui m'a dit, reste au séminaire, ne retourne pas à la raison. Donc je bénis encore le Père Dieu pour la vie du prophète qui fera notre Père. Je bénis encore la vie de tous les frères et sœurs de ce ministère. Parce que c'est aussi grâce à vos prières que cette connexion s'est faite. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Pasteur Paul. Alors on va rapidement manger et puis on va s'en aller parce qu'on a encore notre service ailleurs. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Quand j'approche l'enceinte de ma fille, j'avais consacré cet enfant à l'Éternel parce que j'avais du mal à recevoir. Quand j'ai eu cette grossesse, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je te consacre cet enfant. Quand cet enfant va naître, cet enfant va se servir tout au long de sa vie. Mais depuis la grossesse de cet enfant, les persécutions. Quand l'enfant est né, j'ai fait 2 jours de contraction avant que l'enfant n'ait été exprimé des deux guerres. On voulait m'amener même au bloc. Quand l'enfant est né, c'était un combat. Et depuis que cet enfant grandit, toujours les attaques. Tout dernièrement, je pense que la semaine passée, la nuit vers les 3 heures, l'enfant, un bébé de 2 ans qui ne connaît même pas les hommes, a commencé à avoir mal à la partie intime. Crier toute la nuit, maman j'ai mal, j'ai mal. Je dis, oh, Seigneur, un enfant de 2 ans va avoir mal à la partie intime, comment? J'ai appelé, j'ai crié à papa, j'ai dit, ah papa, voilà la situation de l'enfant. Papa a prié, il m'a donné une recommandation, il faut prier. Et le lendemain, il m'a dit d'emmener l'enfant. Quand j'ai emmené l'enfant le lendemain, papa a prié pour l'enfant. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant va très bien. Elle n'a plus de douleur, elle dort correctement. Et je viens bénir au nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je confirme, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Alors, il y a quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'arrive, on se retrouve en famille. Et puis, il y a mes nièces, même leur mari. Ah, mais tonton, tu es tout frais. Je me dis, ben, le costume là, il est nouveau. Je dis, non, c'est un vieux costume, la chemise, tout est vieux. Ah, mais tu es tout frais. Bon, je me dis, comme on ne se voit pas tout le temps, c'est pas mal. Je crois le lendemain ou 2 jours après. J'arrive au secrétariat de la présidente de chambre. Oh, mais c'est le conseiller, c'est mon frère. Mais vous me voyez tous les jours, c'est aujourd'hui que je deviens frère, c'est comme c'est bizarre. Mais jusque-là, je n'avais pas perdu. Quelques jours après, on avait réunion, et puis avant l'arrivée du patron, donc on a appelé le patron à commencer la réunion, donc je me prends en photo, et je mets la photo sur le profil. Alors c'est une de mes nièces encore qui m'envoie le message, je me dis, ah mais tonton, c'est comment? Tu as fait une vie pour blaguer et tout quoi, tout quoi. Et c'est là où j'ai répondu en disant, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu merveilleux. Nous allons annoncer maintenant. Alléluia. Amen. Vous avez compris. Amen. Alléluia. Mais tout ça est passé par là. La modération. Prochainement, ce sera l'apôtre maman avant de voyager. Voilà, vous bien te former si la bourse est faite. Alléluia. Amen. Alors moi aussi j'ai un témoignage. Mon témoignage, j'ai béni l'Éternel pour la santé de son parti. Parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées là.
on a une équipe qui est restée. Et pendant que je suis reparti le lendemain, toute l'église était en mouvement. Or, c'est sûr que là, il m'a encore fait quelque chose. Mais malheureusement, non. J'ai juste allé pour rendre grâce à Dieu et aider l'Éternel. Et la maman qui avait laissé la béquille, j'étais déjà à 20 mètres en voiture. J'ai parlé de cette femme-là. Et après, elle s'est arrêtée. Elle regarde, elle dit non. Ça, c'est pas le type là, parce que la voiture était fumée. Ça, c'est pas le type là qui a pris le moyen. J'ai fait ma chérie. Elle a béni l'Éternel. Alléluia. Et cette dame-là a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, mon numéro de téléphone est dans la parole de Dieu. Ne faites jamais ça. Alléluia. Quand tu poses un acte pour l'Éternel, si ton frère t'a invité dans sa maison, ne prends pas le numéro de lui. Amen. Alléluia. Donne le numéro de Jésus-Christ qui est dans la Bible. Parce que ça, ce sont les codes de vérité. Si tu vas donner le numéro, elle va t'appeler, elle va passer par son père ou par son conseiller, elle va venir là et elle va prendre quoi la lettre. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on arrête. Vous aurez ici des hommes de Dieu qui viendront et soyez fidèles. Si nous le faisons, si on fait venir les hommes, c'est parce que nous sommes fidèles. Vous savez, atteindre ce que nous avons là, c'est le travail de la privation. Privation sur beaucoup de niveaux. Faire 21 jours. Chaque 3 mois sans manger, je crois que ce n'est pas facile. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne tiens pas ton téléphone pour recevoir un code de la part de Dieu. On ne peut pas jouer avec ça. Je vous assure que là où vous me voyez debout, j'ai mal au corps. Je n'ai jamais eu mal au corps comme ça après une nuit de prière où tu dois prier, danser, et toutes les personnes qui étaient là étaient tellement concentrées. Tu regardes comme ça, apôtre Tony, le gars, tu sens qu'il a, c'est comme s'il a des trucs au mec, ou encore, apôtre Zé, là-bas, non, c'est comme si tu étais le vent, non, vas-y, vas-y, il faut attendre. Au point, tu ne peux même pas te reposer. C'était compliqué, mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Et mon deuxième témoignage, c'est avant hier, c'est hier. Je suis allé déposer mon fils du côté d'un rocher. Et puis, je ne sais pas s'il y a une opération militaire, je ne sais pas la police. Et puis, on m'interpelle. Je me range sur le côté. Et voici le policier vient vers moi. Il dit, monsieur, bonjour, qu'est-ce que ça présente à la circulation, tout ça là. Et puis, je réponds à ce dernier-là, autorité spirituelle. Ça, c'est bon. Alléluia, c'est une autorité spirituelle. Je prends ma carte de l'homme de Dieu, je présente. Il dit, oh, j'ai cherché ce moment-là depuis. J'ai cherché ça depuis. Homme de Dieu, pardon, est-ce que vous pouvez bien garder parce que j'ai envie de vous parler. Et il s'est exprimé, il a dit des choses et je l'ai conseillé. Et son chef arrive, il dit, mais c'est comment depuis là, tu dures avec le monsieur, tu dures avec lui, il y a quel problème? Il dit, oh chef, le genre de rencontre là, c'est pas tous les jours. C'est comme il dit là, c'est pas tous les jours. C'est que là où tu me vois là, tu peux même m'envoyer même en punition. Je prends ça à vos ordres. Mais là, je ne peux pas laisser les gens de rencontre. Parce que le type là, il ne peut pas me parler à la vieille. Il ne peut pas me convaincre. Et puis, je reste comme ça. Le monsieur vient me regarder. Il dit, oh, ça c'est bon. Il dit, non, c'est comme ça. Alléluia. Amen. On a rendu grâce à Dieu. Et vraiment, il a dit, non, prophète, est-ce que quitter la religion catholique, c'est un péché? Je dis, du moment que tu te sens à l'aise, qu'est-ce que ça va? Dieu soit avec toi. Il était dans la joie. Et le chef a dit, toi, jusqu'à ce que je partirai du commissariat, tu n'auras jamais de problème. Peu importe les rapports qu'on va faire, tu n'auras jamais de problème. Parce que tu as vu Dieu devant. Ça m'a touché cette expression devant moi. Je continue mon chemin. Alléluia. Donc, vraiment, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, ne soyons pas pressés. Tous vos témoignages m'ont touché. Tous les témoignages de ce matin m'ont touché. Ça montre que Dieu travaille. Mais je vous exhorte, vous les hommes de Dieu ici là,
les évangélistes, comme j'ai dit tout à l'heure à l'évangéliste Aimé. Et là où tu vas partir, il faut aller partir, il faut aller parler. Il faut parler de ton témoignage. C'est-à-dire que ta vie a commencé dès l'instant où tu es sorti de l'hôpital. Ta mission a commencé. C'est de la manière à laquelle tu as dit Jésus t'aime. Tu ne sais pas combien de personnes vont être restaurées, combien de femmes vont maintenant marcher avec le sac, avec le téléphone bien positionné. Parce que quelqu'un appelé Pagano va prendre Jésus en esprit et en vérité. Pourquoi une machine de guerre s'est convertie? Amen. Tous les petits de Rio, là, quand ils sont que le tchadji, c'est déjà dans la dimension. C'est fort. Alléluia. C'est pourquoi il va suivre son traitement. Nous allons continuer de prier pour lui. Parce que c'est profond. Ce que lui va amener là, c'est fort. Alléluia. Il va amener les personnes qui, quand il te dit, maman, ne bouge même pas, tu dois tout ce que tu as, quand je te fais ça, tu. S'il amène quelqu'un comme ça, qu'on donne Jésus, ça veut dire qu'une maman n'ira pas à l'hôpital pour qu'on lui fasse le point de situ. C'est beaucoup, c'est l'économie. On appelle ça l'économie provisionnelle spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, faites des économies même déjà. Pourquoi? Parce qu'un évangéliste a pris conscience de qui il est. Amen. On peut être élevé dans la société et être chrétien. On peut être riche et être chrétien. Ce n'est pas forcément une affaire de commandant. C'est une affaire où il faut donner sa vie au Seigneur. Si vous prenez mon téléphone, vous allez voir les généraux. Ils sont à genoux. Et on est là, on prie. Tiens le général à genoux. Maintenant, toi, ça montre que Dieu est bon. Alléluia. Amen. Donc, restons fidèles. Comme disait l'apôtre maman. La fidélité. Il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un t'a posé un acte dans ta vie, il faut être reconnaissant. Amen. Faut jamais oublier ça. C'est pourquoi je vous ai dit. Si tu t'es séparé avec une personne à cause d'un problème, si tu avais confié un secret, car le secret là a dit, n'expose même pas ça. La personne peut même t'insulter, ne dis pas oh, comme tu me menaces là, je vais aussi maintenant dire, j'avais fait comme ça, j'avais fait comme ça. Ça veut dire que tu n'avais jamais gardé le secret et tu n'avais jamais été sincère. Dieu transforme et Dieu change. Alléluia. Amen. Dieu transforme et Dieu change. Il est fidèle. Il est fidèle. Je vous ai dit, nous avons 3 ans dans ce ministère pour bâtir. Quand on calcule bien le commencement de ce ministère jusqu'à maintenant, ça fait autour 1 an et 7 mois. Autour 1 an et 4 mois même, 7 mois, 4 mois. C'est que même les 2 ans qu'on a prêté là, c'était parce qu'il fallait le dégager. Mais sinon, rien, parce que l'église est restée fermée pendant 7 mois. Et 3 mois qu'on a fait dans l'anarchie. Un mois on a dit, bon, pour déposer un peu le reste là. Ce qui arrive, arrive. Mais les Iveco, carré là, en plein confinement, Iveco est là. Il a dit, ah, ça c'est l'église de Dieu. Tu as pas vu la photo là? C'est la photo de qui? Allons, allons-y, il faut éviter de voir. Allons-y, c'est bon. Il est mal parti. Je faisais même des nuits de prière avec les mamans de 62 ans, de 80 ans, chez moi. La nuit, j'avais tout le monde en est là. Sur la prière, on est dans un groupe. Voilà les voitures de militaires qui font la patrouille la nuit, en plein confinement total. On est là, une vingtaine de personnes. Jésus. La nuit, 2 heures de la tête. Jésus. Moi-même devant. Le matin, dès qu'on termine là, je prends le maillot au bamba. Je dis, ça c'est la communion. Je coupe le maillot au bamba, tout ça, le roi vient couper la boue. Chacun va prendre ça. Alléluia. Tu as dit, oh oui, oui, avec le mien. Dis, Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, quelque chose là s'est passé. On a mangé le maillot avec le mien. Alléluia. Dieu est fidèle. On a terminé et c'est ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas avoir la place de la colère dans sa vie. Quelqu'un n'est pas visité, c'est pas grave. Mais derrière le fait que quelqu'un ne soit pas tenu à ton chemin, se cache un enseignement que toi maintenant tu vas donner à cette personne. Si la
la personne venait, il ne devait pas te donner ce qu'il fallait pour satisfaire ton cœur. Mais la manière que tu reçois maintenant cette personne qui ne t'avait pas assisté, la manière que tu vas maintenant prendre la personne va amener la personne à se culpabiliser. Et pour revenir vers toi, au travers de l'enseignement que tu as donné à la personne va faire ce qu'on appelle l'action de grâce. Il a dit, je ne peux plus aller voir mon parent comme ça. Je dois prendre même 5 sacs de ciment, 2 sacs de lit, 2 bidons d'huile, 2 cartons de queue, un congélateur, un plasma en 14 chevaux, et voilà, 2 sprits, 1 pour la mettre à la terrasse. Alléluia. C'est ça, c'est pas ça. Bien petit homme. Mais oui, c'est la 2G. On est en or, on est dans la dimension. Alléluia. Amen. Et c'est fait. On bénit Dieu. Un enfant de Dieu doit être fier de lui. On peut être homme de corps. On est là. Chrétien. Quand les autres hommes maintenant peuvent chanter des chansons impolies. Oh yé yé mambo. Oh oh oh. Toi tu es là, si. La danse, la danse. Tu sens même que la prochaine fois, quand tu fais ça, ton chef va remarquer quelque chose. C'est que devant toute la troupe, on va dire non, lui là ne peut plus courir. Il ne peut plus courir avec eux. C'est lui le coordinateur. On te donne un gros cahier noir. Avec la règle, tu traces. Tu mets le nom. Un, deux, trois. Oui, toi, allez, va courir. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que tu t'es débrouillé. Il y a quelque chose qui est dans ta vie. Et je vous annonce, vous êtes ici. Attention, on va bientôt vous traiter des prosutriciens. Alléluia. Et on va dire qu'on a d'ordinaire, dit ce n'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est le ciel. Vous ne savez pas la joie que ça fait quand on t'accuse à tort. Tu sens que l'homme m'accuse, je n'ai pas fait ce pourquoi on m'accuse. Mais tu continues de vivre. Fais être fier de ça. Il y a que Dieu et toi. Certainement, les gens qui t'accusent là ne sont pas de ta génération. Ils ne sont pas de ton programme. Tu vois, c'est le brouillon de ta vie. Mais le problème est avec les personnes qui vont connaître ta vraie valeur. Qui vont te respecter, non pas pour ce que tu es, pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Alléluia. Beaucoup de personnes sont avec toi parce qu'ils savent que tu as quelque chose. Maintenant, il faudrait faire comme un humoriste gabonais avait fait. Omar avait foutu avec Ibaku. Il a menti qu'il allait mourir pour voir quelles sont les personnes qui devaient s'aider pour cotiser. Alléluia. Donc il faut suivre. Créer un truc. Alléluia. Il faut créer un truc. Hier, je me suis rendu compte que la force que j'ai vient de mon Dieu. Oui, hier. Je cherchais une banque là, vers les 17h. J'appelle ici, non, il faut attendre un peu. J'appelle là-bas, non, et je sors de la boîte, dès qu'on dépose, j'ai fait. J'appelle ici, oh, je dis, ah. Et pourtant, quand même, là-bas, il y en a. Là-bas, quand même, aussi, il y en a. Ce que je veux là. Mais l'heure, je dis, ah, si c'était ouvert, tu n'allais pas appeler. Mais comme c'est pas ouvert, je commençais à appeler. Et puis, j'appelle, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Faut compter sur soi. Faut compter sur soi. Alléluia. Il y a ton voisin, je dois compter sur moi-même. Prends ton avenir en main. Alléluia. Prends ton avenir en main. Attrape ta vie. Sois sincère avec toi-même. Essaie d'examiner ta vie. Prends un peu de big, regarde. Non, ça là, c'est vrai. Je vais faire ça, mais je vais commencer à modifier. Mais vous savez, chaque fois qu'il y a un trait de caractère qui domine ta vie, pour que ce trait de caractère disparaisse de ta vie, il faut créer un lien. Si c'est la colère, saine, fais une action de grâce à l'autel de Dieu. Lorsque le peuple viendra, l'autel va parler pour toi. L'autel va parler pour toi. Si tu pleures seul, l'autel va parler pour toi. Si je fais la fornication, l'autel va parler pour toi. Si je vais voir le vin, l'autel va parler pour toi. Le chant, l'autel va parler pour toi. Mais fais quelque chose qui va tirer Dieu à te bénir. L'autel parle.
lequel parle. Même dans le couloir du mariage, tu es marié avec ton mari. Vous n'êtes pas marié à l'église, il faut s'aimer quelque chose à l'autel. Comme ça, l'alliance des esprits là parlera pour toi. Mais si vous ne faites pas les autels, ce sera compliqué. L'autel parle. Même chez nous en Afrique, lorsque un parent meurt, nos grands-parents, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent soit le rhum, avec l'orangement, tout ça là, ils prennent ce sort. Pourquoi? Mais parce qu'il faut entretenir les esprits. Faut entretenir les esprits, quand tu entretiens qui? Les chrétiens, les serments, parler, j'ai pris. Les grosses prières, puis quelqu'un pour c'est tout. Qui même on est ça, mais même quoi? Il faut pas inventer le parler là. Alléluia. On est votre cible, ça bien sûr. C'est pas que tu vas donner les autres, tu es un peu complexé. Les autres, la caille, Alléluia. Ne pensez pas. Ça vient seul. Dis à ton voisin des choses là viennent seul. Alléluia. Et vous savez, quand tu es dans les églises là, là parce que bientôt qu'on va te dire toi ça là. Après, boum, éclatement. Après 3 ans, éclatement. Voilà maintenant, le prophète est maintenant là-bas. Voilà l'église du prophète. Le public est maintenant ici. Et ça va tellement l'église au point tu diras oh comment faire pour le prophète ça va l'église. Vous voulez avoir les idées des personnes, donnez-moi 3 ans. Donnez 3 ans. Mais la manière que ça va pousser comme des pourquoi 3 ans. Mais Dieu ne peut les avoir, il le fait. C'est pourquoi il ne faut pas toujours avoir cherché au plus dans la vie. Lorsque l'Éternel a commencé à multiplier, nourrir, il a pris quelques pains. Pas aussi, prends le pain que tu as commencé à faire quelque chose. Amen. Mais ne touche pas ton commencement. Tu as commencé à quitter quelque part. Commence à partir. Crois à ce que tu as commencé à faire. 3 ans. Quand j'ai pris l'église, ça c'est toi-même, c'est tout ton passé. Prophète, Shalom, la distance. Même les gars qui sont tombés là. Et tu vois les gars comme les aimés là. Mais ça dit que quand Dieu va commencer à appuyer la situation tic-tac dans sa vie, il ne va pas voir. Là, je crois que tu vas mettre Mika autour de toi. Je vais dire au chef de ta passion. Là, j'ai dans les yeux 3 premiers là-bas. Il y a un pour RPG, il y a un pour RCAS, l'autre là-bas. Tu vois le gars qui est là côté du prophète. Il est là, il y a un militaire. Non, il n'est pas pour le monstre de taper, il est plus même pas musulman. Alléluia. Donc tu ne peux même pas approcher le prophète. Tu arrives comme ça dans le chat. Et vous, il vous se mal pour tout ça. Tu dis, oh, c'est chanteur comme ça. Oui, la vie change. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, que ne vous confondez pas au siècle présent. Ne te confonds pas au siècle présent. Il faut être transformé. Il faut être transformé par le renouvellement. Amen. Je peux passer par un enfant sincère pour amener des personnes spéciaux autour de toi. Une équipe d'intercession est en train d'arriver. Une équipe de sécurité est en train d'arriver. Attention, le prophète déjà peut être critiqué, mais c'est les gars là, la manette va te pousser là. Tu vas vivre ça. Même venir moi-même les apôtres, c'est cela difficile. Parce qu'après eux, il y aura un endroit où tu vois, il y aura des chaînes. On va mettre même de la masse. Ça sera le lien avec une batterie. Même venir du château, papa, quand tu arrives, tu touches la masse là, tu me couvres pour haut. Tu vois. Et lui, là, tu reprends la maison pour te fortifier. Saint-Esprit.
Alléluia. Donc tout ça, c'est en train d'arriver. Je ne prépare pas des choses pour te miroiter parce qu'on a fait de faire. Le sacrifice que je fais là, pour servir Dieu là, c'est compliqué. Alléluia. Non, ce que tu as dit n'est pas faux. Elle est prédestinée comme ça, parce qu'elle n'est pas l'heure. Comment quelqu'un qui était déjà en haut et puis se touche comme ça là? Non. Attention. Et c'est là où il faut faire attention. Oyora. Attends. Oyora. Vous devez reprendre. Oyora. Oyora. Mais c'est la langue, c'est le Bakota. Il n'y a pas le Bakota ici. Au papa. Alléluia. Donc on est une équipe, on est une famille. Maintenant ce matin, tu vas te lever. Apportez-moi du pain. Arrêtez-moi l'enfant qui fait le boulot. Non, je peux rester assis. Je vais rester assis. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la malédiction existe. Pas l'eau des problèmes. Donnez-moi l'eau en train d'attirer. Le thème doit être là. Pas l'eau des problèmes. Alléluia, 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 alléluia. Je pleure.
je pleure ton départ. Même quand tu étais là, papa et maman, j'avais la peine. Alléluia, 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 papa. Soutiens-moi, éternel, soutiens-moi, soutiens-moi, éternel, et désormais. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Lorsqu'on perd un parent, on perd une partie de notre vie. Même si on est fort dans la tête, mais les choses ne seront plus jamais pareilles. Ça montre que la vie continue. Ça montre que c'est fort, mais nous devions rester attachés à la parole. Alléluia. Vraiment, que Dieu nous soutienne. Naaman chapitre 1. Oui. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements d'échange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec nous. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. » Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. » Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre, le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et on se retournait, il partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il lui dit, « Mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair relevait comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas
Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Amen. Il en offrira. Allons-y au verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Élisée sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Veuillez vous asseoir pour te dire. Vous avez entendu avec moi la lecture. Le thème de ce matin, c'est la malédiction existe. J'ai envie de poser une question. Comment savoir qu'on est maudit? Comment sais-tu que tu es maudit? Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est maudit? Alléluia. C'est important qu'un enfant de Dieu le sache. Tu peux même être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste, tu peux être président, tu peux être gouverneur, mais tu es maudit. Et c'est quoi la malédiction? Vous avez vu tout à l'heure, on nous parle d'une histoire ascétiste. Elle est comme elle est, mais c'est une histoire ascétiste. Aujourd'hui, nous avons une autre interprétation de la Bible. Il ne faudrait pas qu'on te détourne du bon sens. Marcher avec Dieu est difficile. Marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, je ne suis pas encore prêt à accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, sanctifie la personne. Ne comptez pas ce genre de personne. Parce que tu ne peux pas t'attacher à un Dieu que tu ne peux pas servir. Marcher avec Jésus, c'est difficile. C'est devenir un macoule dans la société. Mais tu gagneras quoi? Le ciel. C'est facile de dire je suis chrétien. Beaucoup de personnes disent je suis chrétien de bouche, mais pas de cœur. Parce que être chrétien dans le cœur, c'est accepter de repartir vers la personne qui t'a fait du mal et dire je te pardonne ou voici ce qu'on est venu te dire. La raison humaine va impacter ta vie pour te dire là. Pas bon, si tu vas demander pardon ou si tu acceptes ton pardon, on va dire que tu es fait. Non. Faut pas qu'on te donne une autre interprétation de la Bible. La Bible, elle est tellement simple. La révélation, c'est le fait de partir le maintenant là et on te présente devant le passage biblique. C'est que tu es devant Isaac, tu es devant Jésus-Christ. Jésus-Christ vient te dire, mon fils, c'est que le pasteur a été là. Moi-même, personnellement, je ne connais pas très bien. Mais sinon, j'étais accalmé quand ça s'est passé. J'étais seulement en train de me reposer comme j'avais faim. J'ai dormi, maintenant dit non, j'ai pas l'esprit. Non, j'avais faim. J'avais demandé à ma tante, la cousine de ma mère, Elisabeth, de s'occuper de moi. Elle m'a dit, elle avait les courbatures. Donc du coup, elle était en train de s'occuper d'abord des gens devenus le baptiste. Donc j'étais en train de souffrir. Maintenant, vous commencez à interpréter le mille ans après que j'étais en train de prier. Non, c'est pas ça. Jésus-Christ dit ce qu'il est en train de faire. On appelle ça la révélation directe. Pourquoi j'introduis notre thème en partant de ce que je commence à te dire? C'est pour que tu comprennes la profondeur de la parole de Dieu de ce matin. Nous voyons une situation. Voici Naaman. Naaman était un homme, c'était un militaire, un homme de guerre, une machine de guerre. Un guerrier tenace, l'homme qui a permis à la Syrie de pouvoir gagner les batailles, qui a délivré la Syrie et qui avait pris en captivité certaines personnes d'Israël. Naaman.
Et il était quoi? Il était élevé en militaire. C'était un général de l'armée syrienne, mais il était frappé de quoi? La lèpre. Tu peux être un enfant de Dieu et tu es dans la malédiction. À quel moment la malédiction doit quitter ta vie? Mais l'un des premiers signes de la malédiction dans la vie d'un être humain, c'est lorsque la personne ne suit pas l'instruction qu'on te donne. Lorsqu'on te donne une instruction, tu ne la respectes pas, ça veut dire que tu en as déjà mis à côté. Tu es déjà un candidat potentiel de la malédiction. Et vous devez faire très attention. Parce que voilà aussi une situation. Tu peux être à côté d'un homme de Dieu. Tu peux marcher avec l'homme de Dieu. Mais si toi-même, tu ne cherches pas ce Dieu, lorsqu'on te donne des instructions, cet homme de Dieu ne pourra pas faire une lettre pour te recommander à un autre homme de Dieu. Cet homme de Dieu ne pourra pas t'envoyer vers une autre église. Cet homme de Dieu ne pourra pas te donner un travail de jeûne et de prière. Et lorsque le roi de Syrie a fait la lettre au roi d'Israël, la Bible déclare que l'autre là-bas s'est fâché. Mais comment se fait ce processus? C'est que en Syrie, ils avaient pris une jeune fille israélienne qui vivait, qui était la servante de la femme de Naaman. C'est elle qui annonce à sa femme, à la femme de Naaman, que ah, dans mon pays, dans un pays là, il y a un prophète. Alléluia, il y a un prophète, il y a un prophète qui peut régler la situation. Il peut régler ton problème. La seule chose que tu devras faire, c'est de partir de ton pays et d'aller rencontrer le prophète. Mais le roi n'avait pas compris ça comme ça. Le roi est passé par des procédés administratifs. C'est pourquoi toi, qui dois entendre la voix de Dieu, si tu me tardes à l'accomplir, son plan va passer dans ta vie. Lorsque Dieu vient vers toi, il faut savoir le saisir. Il faut savoir parler avec Dieu. Il faut savoir le comprendre. Et tu vas rentrer dans la grandeur avec l'Éternel. Et le roi n'avait pas compris la profondeur de la lettre. Il y a des situations dans la vie, il faut anticiper avant que la situation arrive. Il faut savoir anticiper. Je peux ouvrir une porte dans ta vie. Il peut te donner beaucoup d'argent maintenant là. Tu peux payer ta maison sur 10 mois. Tu peux payer l'école de tes enfants sur 10 mois. Tu peux payer quelque chose sur 10 mois. Tu peux commencer à avancer dans une épargne. Mais toujours dire que Dieu doit t'amener dans la dimension. Alors cette histoire ne s'arrête pas là. Ce qui me dépasse dans cette histoire, c'est que derrière Naaman, il y avait une équipe d'intercession. C'était ses cas. Il avait des hommes autour de lui qui l'encourageaient et qui le fortifiaient. Parce que lorsqu'il est allé en Samarie, il a croisé effectivement un prophète. Lui partait pour rencontrer le roi. Parce qu'on a dit, quand tu es roi, tu as tout. Non, ça montre que le prophète peut être prophète, mais il ne détient pas tout. Alléluia. Amen. Le prophète ne détient pas tout. Il faut retenir ça. Et le prophète n'est pas Dieu. Un prophète n'est pas Dieu. Un pasteur n'est pas Dieu. Un évangéliste n'est pas Dieu. Un apôtre n'est pas Dieu. Un docteur n'est pas Dieu. Un prêtre n'est pas Dieu. Un imam n'est pas Dieu. Un président n'est pas Dieu. Ton chef n'est pas Dieu. Mais il y a une force suprême appelée Dieu qui commande toutes ces choses. Et pendant que le roi était en train de se lamenter, pendant que le roi était en train de s'interroger, attendons que l'autre là-bas, il se moque de moi, il m'envoie une lettre, il croit que moi je peux guérir de quelqu'un là-bas. La lettre. Élisée lui a dit, reste calme. On va montrer à ces gars-là qu'il y a un Dieu ici. Et Dieu passe par quoi? Par le témoignage. Dieu passe par quoi? Le témoignage. Tu peux encore lutter de la prédication, mais tu ne peux pas lutter du témoignage. Parce que c'est moi qui vis la douleur. Et je sais ce que Dieu a commencé à faire dans ma vie. C'est pourquoi il faut avoir la nature de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un te dit je traverse une situation, avant de commencer à juger la personne, rentre dans la vie de la personne et comme tu vas voir si réellement le conseil que tu donnes à l'autre là est un conseil. Amen. C'est facile de
conseiller. Mais quand la situation revient en toi-même, ça devient compliqué. Alors, Nanan avait un chiffre. Il ne savait pas où il fallait aller. Et Élisée a dit au roi, emmène-moi cet homme. Lorsqu'il est allé chez Élisée, quelque chose s'est passé. Élisée n'est pas allé, non, il n'a pas dit amène-moi l'argent. Il n'a pas dit amène-moi l'or. Il n'a pas dit amène-moi ceci. Il a seulement dit, va là-bas, dans le puits là où c'est sale. Dieu, lorsqu'il amène quelqu'un, c'est pour démontrer sa puissance. Amen. Si Dieu t'a donné son nom, si Dieu te donne son prénom, il te donne son cœur, sa nature, c'est pour que tu emmènes des personnes qui sont sales. C'est pour aller dans les endroits sales, ce n'est pas pour aller les juger, mais c'est pour aller récupérer la santé. Amen. C'est pourquoi vous ne deviez rien à un homme. Vous ne deviez rien à un homme. Un homme peut prier pour toi. Il peut faire des grandes choses dans ta vie. Le jour où vous croisez dans un carrefour, tu es libre de le saluer ou de ne pas le saluer. Il ne va pas t'appuyer ça. Amen. Il ne va pas te punir. Alléluia. Amen. Mais il faut retenir ça. Dieu ne va pas te punir parce que tu as prié pour quelqu'un qui était pour tout et qui est devenu parti. C'est ça qui s'est passé. Quelqu'un avait un problème avant de devenir maintenant comme ça. Voilà. Parce que quand tu commences, toi, homme de Dieu, à commencer à prendre les choses de Dieu comme un acquis, tu as déjà fait ta volonté. Et tu dis, c'est la voix des troubles. Tu as vu les hommes, ils ne sont pas bien. Tu avais prié pour lui. Tu as venu là, depuis que j'ai prié pour lui. Mais qui t'a donné cette force? C'est toujours Dieu. Et Naaman a reçu l'instruction et il a voulu raisonner. Ses serviteurs lui ont dit, monsieur maître, si le type là t'avait demandé d'aller prendre de l'argent, tu allais courir. Si le type là t'avait demandé d'aller tuer 10 personnes, tu allais le faire. Si le type avait dit amène les œufs, tu allais amener les œufs. Mais il t'a seulement dit, va dans cet endroit là qui est sale, tu plonges là-bas cette fois et tu viens. Ce qui me place à l'intérieur. Dans cette affaire-là, tu sens que Naaman était aimé avec ces gars. Si tu peux me prendre rapidement deux rois, toujours au chapitre 13, lis-moi chapitre 13, vous allez voir qu'il y a le point d'exclamation à la fin. Le point d'exclamation là montre quoi? Montre l'étonnement, le merveillement de ces gars. Ils étaient contents. Le verset 13 dit quoi ici? La 23e année de Joas, fils. Non, 2 rois, chapitre 5, verset 13. La Bible dit ici, mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Point d'interrogation. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Pourquoi ils ont mis le point d'interrogation, le point d'exclamation? Ça montre qu'il y avait une complicité. Ça montre que Naaman savait aussi écouter. Ça montre que toi qui es là, si tu écoutes aussi les gens qui sont autour de toi, qui ont la même nature que toi, qui portent la même tenue militaire que toi, et qui convergent dans le sens de te voir réussir, quelque chose de grand va arriver. Ne cherchez pas les amitiés qui vont vous apporter la soustraction. Un ami qui termine tous les jours, a toujours ça va venir régler ses problèmes, est un ami de soustraction. Une copine qui te dit non, là ce soir il y a ceci, il y a cela, c'est une copine de soustraction. Un parent qui t'appelle que quand il y a des décès, que quand il y a des retraits de deuil, ça veut dire que c'est une famille de soustraction. Bien aimé, ce n'est pas un péché. Lorsqu'on fait de l'économie, ceux qui ont fait un peu d'école, qui ont poussé un peu jusqu'au second degré, on nous a toujours appris que l'économie est une science qui étudie quoi? La production et la répartition, la consommation des biens et des services. Dans l'économie de l'INSEE, donc de l'Institut National des Sciences Économiques, il y a une notion qu'on appelle la famille. Alléluia. Il y a une notion qu'on appelle la famille. Si ta famille de sang t'a reçu, ta famille professionnelle ne peut pas te recevoir. Si ta famille professionnelle te reçoit, ta famille en Christ ne peut pas te recevoir. Ainsi de suite. Maintenant, toi, de sortir de tout ça, examine, je me suis dit où lorsque j'aurai un problème. Parce qu'il faut que ta famille soit là.
on a toujours besoin de la famille. Et Naaman avait sa famille. C'était des personnes qui l'entouraient, des personnes qui l'aimaient. Est-ce que toi aussi tu entourais des personnes qui peuvent te dire face? Est-ce que tu es en train d'entourer des personnes qui te diront c'est vrai, laisse ce travail face. Laisse cette relation face. Laisse les équipes face. Laisse le raisonnement face. Laisse le chant face. Laisse la colère face. Laisse ceci face. Il faut avoir des relations d'addition. Il faut avoir des relations, même quand tu sens que tu n'es pas bon dans le courage. Il faut être comme des relations de boxeurs. Tu sens que le gars qui est en face de moi, là, il y a un comportement taison. Mais il te dit non, tu es bon. Tu as commencé à lui mettre le truc. Tu vas. Non, je te dis que regarde. Oui, Dieu, si tu es fort, tu es fort. Tu as même failli gagner. C'est parce que tu n'as pas senti la joie. Dès que tu ne parles, rien ne fait seulement comme ça. Il faut avoir des relations qui t'encouragent. Tu sens même que la manière que le type a mis le coup là, non, ça me fait résonner. Ça fait le coup quand tu mets un coup. Tu es là, un coup. Ah oui, il y a des coups KO. Mais quelqu'un t'a courage, il dit non, c'est bon. Ah, attends, c'est pas le souci. Il faut avoir déjà des personnes comme ça. Et Dieu veut te donner des personnes comme ça. Amen. Mais Naaman a resté là autour de lui. Naaman a posé l'action et quelque chose s'est passé dans sa vie. Et les personnes qui sont autour de nous, qui nous négligent, parce qu'on partage notre quotidien, parce qu'on rit ensemble, parce qu'on marche ensemble, parce que souvent on pose des actions démesurées, perd le fil de la connexion. Et là, quelque chose va t'arriver. Méfiez-vous, il faut toujours respecter les autorités. Il y a un adage militaire qui dit le chef, même s'il a calcif, il reste hein, le chef. Tu ne peux pas manquer de respect à ton chef parce que vous êtes retrouvé dans un désert. Dans un lieu, parce que tu vas te. Non, tu vas respecter ton chef. Et Géasi s'est moqué du prophète. Géasi qui était le serviteur du prophète. Il allait prendre l'argent. L'homme de Dieu n'a pas demandé l'argent. L'homme de Dieu ne t'a pas demandé d'aller chez tel conseiller. Il ne t'a pas dit que va chez tel conseiller. Il ne t'a pas demandé là-bas. L'homme de Dieu t'a dit ton conseiller c'est telle personne. Maintenant toi tu vas chercher quoi? La lèpre. Et tu te rends compte que ta vie ne fait que se bloquer. Ta vie ne fait que se bloquer. Pourquoi? Parce que tu as un conseiller. Quel est le conseil qu'on t'a demandé de prendre? C'est le premier conseil là, que tu vas suivre. Vous devez avoir une relation mutuelle. Ça, c'est mon conseiller. Je vais prier pour lui. Pour que chaque fois qu'il va me conseiller, quelque chose de nouveau doit impacter ma vie. Amen. Et quand vous commencez à parler ici, là-bas, vous allez vous retrouver avec la lèpre. Vous allez vous retrouver avec quoi? La lèpre. Alléluia. Bien, les gens viennent te parler de quelque chose ce matin. Prenez-moi rapidement Deutéronome chapitre 28, verset 28. Il y a deux thèmes dans ce thème-là que je voudrais développer rapidement avec toi. Dans ce concept de la malédiction. Est-ce que tu es là? C'est bon? Deutéronome 28, 28. Alléluia. Alors je vais les rapides. Je veux écouter les rapides. Quand on parle, il faut se tourner. Deutéronome 28, 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Alléluia. La Bible dit quoi? L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Quels sont les mots phares dans ce passage? Quels sont les mots phares dans ce passage? Vous avez l'aveuglement. Bien aimé, l'aveuglement est un signe de malédiction dans ta vie. Parce que l'aveuglement conduit toujours à quoi? À la confusion. Tout esprit de confusion est un signe de malédiction. Lorsqu'on est confus, ça veut dire qu'on est maudit. Ça veut dire qu'on a perdu les repères de l'instruction. Quelqu'un de confus, c'est quelqu'un qui a perdu les repères. Il faut te retrouver. Parce que l'Éternel, si tu marchais avec tes conseils, tu ne pouvais pas être perdu. Si tu marchais avec la lumière, tu ne peux pas être perdu. Celui qui a la torche la nuit ne peut pas se perdre. Amen. Il ne peut pas se faire mal. Au contraire, il est éclairé. Mais toi, tu es dans quoi? L'aveuglement. Et la Bible pousse quoi? Dans l'aveuglement, nous avons aussi quoi? Nous avons aussi une décision.
on est indécis. C'est un signe de malédiction. Quand quelqu'un est indécis, je fais comment? Je vais là. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas équilibré. Je vous ai dit tout à l'heure, sortez d'abord. C'est pourquoi on parle de la montagne. Retirez-vous d'abord. La situation que tu es en train de traverser là, il faut voir ça clair. Pour ne pas être maintenant, je fais comment? Je vais? Je pars pas. Je pars? Je pars pas. Rédis-toi, examine, parle à Dieu. Il va te répondre sur ce problème. Ne sois pas importuné. Parce que qui t'amène ça? Généralement, ce sont nos pensées. Ce sont les choses de famille, les liens de famille. Et je vous annonce que la malédiction héréditaire existe. La malédiction héréditaire existe. Ne suivez pas les fausses téléphones, ils sont comme l'homme. La Bible fonctionne avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Oui, on est en train de nous parler de la malédiction. On nous parle de l'aveuglement et on nous parle aussi de l'égarement. Dans l'égarement, ça veut dire qu'on perd même les repères de l'esprit. On s'égare. Quelqu'un qui a commencé, oh j'étais chrétien. Après, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu la foi. C'est l'égarement. C'est un signe de quoi? De malédiction. Pourquoi tu n'étais pas accouché? Il faut suivre quand on vous parle. La désobéissance est une marque de malédiction et vous devez vous répartir. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes utilisent Romains 8.1 comme étant une preuve de soulagement. Mais pour être dans Romains 8.1, tu dois être connecté à Dieu, à l'éternel. Que nous dit Romains 8.1? Ça doit être automatique. Alléluia. Amen. Lorsque je donne un verset, on fait rapidement et on vérifie. En toi, c'est comme ça. Tu vas te condamner sur la base du principe de toi. Tel article dit ceci. Maintenant, on va laisser constance à quelqu'un. Bon, c'est vrai, la loi dit ça. Mais quel est le principe de principe d'exception, c'est quoi? Bon, il était là et puis bon, c'est vrai qu'on dit ça. On va voir comment. C'est bon. Il n'y a donc. Alléluia. Aucune. Si tu es en Christ, il faut bien retenir. Si tu es en Christ, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais si toi-même tu n'es pas en Christ, tu es encore dans la condamnation. La condamnation est une marque de malédiction. Amen. C'est une sentence qu'on t'a donnée. C'est une sentence que tu as reçue. Il faut sortir de là en prenant quoi? La décision de t'accrocher à Jésus-Christ pour que les liens de ta famille ne te poursuivent plus. Même si tu pars aux États-Unis, si on a dit que dans ta famille, vous ne devez pas faire d'école, vous n'allez pas faire d'école, c'est une malédiction. Le nom que tu portes là n'a même pas eu le DPC. Toi, tu as le DPC, ça veut dire que tu es déjà en danger. Tu as brûlé une étape de la famille, conséquence, ils vont t'attendre au travail. La promotion t'a. Pourquoi? Ton grand-père dit c'est comment? Je t'ai dit de partir là-bas. Je demande avant le bac. Tu vas maintenant voir. Tu te retrouves ça à l'UOBE. Papa est directeur, maman est directeur. Nous dit à Camille un peu d'argent, le nom. Mais pourquoi? Mais parce que la loi est là. La loi de la famille est là. La loi de la famille est là. Et légalement, dans ce contexte-là, c'est ce qu'on appelle ici là une instabilité. Lorsque quelqu'un est égaré, il est instable. Amen. Il a tout perdu. Mais vous devez rester comment? Concentré avec Dieu. Amen. Et Dieu a dit, c'était égaré. Et il a reçu quoi? La lèpre. Il a reçu quoi? La malédiction. Ne jetez pas dans ce qu'on n'a pas demandé de faire. Ne faites pas ce qu'on n'a pas demandé de faire. Faites ce que Dieu demande de faire. Et vous gardez quoi? Le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un grand problème, et là il faut être compris pour les femmes. On doit beaucoup prier pour la femme, parce que la femme est frappée d'une malédiction depuis les entrailles. Toutes les femmes, que tu sois chrétienne ou pas chrétienne, prends conscience que tu es d'abord maudit premièrement. Pourquoi? À cause de quoi? Les entrailles. Tes entrailles sont d'abord maudites depuis là. Non, quelqu'un qui commence. Commence. On pousse. Regarde, comment les prénoms perdus verset 18. J'allais comprendre qu'il y a une malédiction dans les entrailles. Les entrailles en hébreu veut dire quoi? Les entrailles en hébreu veut dire un bitem.
on ne peut pas rentrer avec lui en pitaine. Qui veut plus savoir du quoi? Le ventre. C'est pourquoi la vie des femmes ont beaucoup de problèmes du ventre. Les serpents, les fibromes, les myomes et les kystes. Ce sont les marques de condamnation depuis là-bas qu'on a rejeté dans le ventre. Mais si tu prends conscience de ça maintenant là, ton problème est mort, va trouver une solution. Parce que dans le bitum là, il y a ça. Il y a le ventre, il y a les seins et il y a les abdomens. Ce sont des malédictions qui ont été frappées. La Bible dit quoi dans le livre de Deutéronome 28, verset 18. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Uh-huh. Toutes ces choses seront maudites. Alléluia. Toutes ces choses seront quoi? Maudites. Quand on parle des entrailles, on parle de quoi? On parle du ventre. C'est pourquoi nous tous, le temps que nous sommes là, nous avons la nature pécheresse. Les hommes comme les femmes, parce qu'on vient d'où? On vient des villages. On vient du ventre. On a la nature pécheresse. Et on doit prendre quoi? On doit prendre Jésus maintenant. On doit s'accrocher à Jésus. Et prendre Jésus, ce n'est pas prendre quelqu'un qui a mis en plat. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque l'évangéliste aimait pouvait parler, il dit, j'ai vu quelqu'un vêtu de blanc qui avait quoi? Le visage de qui? Du prophète. Et je vous ai toujours dit ceci. Dieu passera toujours par le visage de quelqu'un que vous connaissez. Il va mettre ça là. C'est pour montrer quoi? C'est pour montrer la clairvoyance de ce que l'Éternel a commencé à faire dans sa vie. C'est pas que personne, moi j'ai vu Jésus, il était là en blanc. Même que même là-bas, il y a des problèmes. Lui-même là, qui était l'acteur du film, il a dit non, 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 moi je suis un pécheur. Je fume, je bois mon vin. Jésus s'est mal retourné mon bol, on m'a donné les habits blancs, on m'a coiffé, on m'a appelé aller faire pellicule, manicure, j'ai fait le film. Donc ne mettez pas comme Jésus. Je ne suis pas Jésus. Alléluia. Voici un signe authentique de la parole manifestée. Un signe authentique. Le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est la clarté. Maintenant, le prophète, c'est quoi? C'est cet homme qui doit te donner le code pour aller quelque part avec l'Éternel. C'est cet homme que tu dois écouter, qui doit te t'alléger, qui doit te fortifier, qui doit pleurer avec toi, qui doit t'accompagner même quand c'est mauvais. Toi qui es un homme de Dieu, toi qui aspires à devenir un homme de Dieu, apprenez à réparer les problèmes quand on vient de te confier. Parce que ce qui fait la dimension des noms de Dieu, c'est lorsque deux personnes laissent suivre Jésus, elles ont un problème dans leur famille, elles viennent te voir, tu as obligation de d'abord amener la paix et la sérénité dans ce couple. Amen. Obligation. Tu ne dois en aucun cas sortir de ta bouche. Je vois que là, on n'est pas fait pour être ensemble. Non. Toi, homme de Dieu, laisse le ministère, va à la montagne avec le problème de ton enfant dans la foi, de ta fille dans la foi. Fais tout. Tu peux même avoir même la maladie. Tu peux même commencer à le voir ton fils dans la foi. La nuit, ou ta fille, dis maman, là tu vois là. Oh, caresse. J'ai parlé avec ton mari. Il m'a dit qu'il a vraiment commandé deux compagnons pour toi. Je pense que je dis non. Amen. Toi. Tu as dit ça. Ça reste entre toi et moi. Tu comprends? Oh oui. Oh oui, mais je vais la colère. L'homme de Dieu est passé par une stratégie. Oui. Et tu vas parler à ton fils. Il ne fait pas ça. Qu'est-ce que toi tu cherches à faire? Tu gagnes. Après, quand les deux se retrouvent. Bon, chérie, tu sais, on a eu ce qu'on a eu. Maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile. La femme aussi, on est comme ça. Là. Après la carte, fais mes yeux. Oui, oui. Acclame d'abord le Seigneur.
de l'homme de Dieu. Oui. Lorsque les deux personnes se sont rencontrées, tu n'étais pas là. Ils sont venus à l'église pour chercher Jésus. L'épreuve est rentrée dans leur couple, ils n'ont pas tenu à l'épreuve. Le mari a une foi soumise, la femme a une foi soumise. Ils n'ont pas la moyenne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les racheter. C'est comme le Père. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu rencontres une machine de guerre, hein, tu ne peux pas sortir de là comme ça. Tu vas sortir de là avec une fête qui joue à il y a ok. Quand on a la maison, la base est faite. Maintenant, lorsque vous le trouvez dans votre système fermé, alléluia. C'est là où il peut maintenant me protéger. Alléluia. Lorsque tu as ton système protégeant de ton corps, dès que la vie a mangé, dès que c'est bien mangé, que la vie a mangé, alléluia. Amen. Tu dis, bon, tu sais, chérie. Afin de continuer là, pour quand on tombe dans l'eau. Je demande pardon parce que on a tout perdu. Oh, j'ai sauvé. J'ai sauvé. Mais qu'est-ce qui va amener la personne à s'asseoir? Mais c'est la nourriture. Attention, la nourriture est spirituelle. Hein? On ne joue pas avec la nourriture. Hein? Ah non, et ça y est, Jacob, il y a une histoire là. L'autre après le pain de neige, ça fait la nourriture. Donc la nourriture, la quand tu donnes, ça bien donné. Pas de petites nourritures là et puis tu dis c'est comment. Non. Plat d'entrée, plat de résistance, plat de sortie, accompagnement, dessert. C'est fait, c'est calé. Alléluia. C'est comme ça comment l'enfant de Dieu doit faire. C'est pourquoi être homme de Dieu, c'est un sacrifice compliqué. Et vous qui êtes là, c'est là qu'il faut amener tous les gars là qui vous parlent des hélicoptères. Il dit là où tu peux pouvoir même commencer à payer plus si même. Le problème c'est parce que tu n'avais pas ta caisse d'identité. Tu as peur de me faire rater quelque chose. Ton si tu là, oh oui, c'est vrai. Tu viens de me faire. Oh oui, tu me fais le passe. Hey, quelqu'un dit où il est. Il faut rester calme. Vous deviez rester concentré. C'est là la force de l'homme de Dieu. Tu sens qu'on travaille, on te persécute. Oh, mais l'homme de Dieu te donne la stratégie. Le persécuteur là. Le nom de Dieu, tu viens de mon chef, me persécute. Le mec, tout le temps, il me persécute, il me persécute. Il s'adore. Alléluia. Mais tu prends la photo de ton homme, tu dis non. Parce que DG, oh oui. Dis-moi, vous savez bien, oh, il n'y a pas de problème, je vais faire un cadeau. Tu prends sa photo, tu mets dans un t-shirt là. Le meilleur DG, futur homme de Dieu, pasteur, tu mets ça dès le matin, tu vas travailler avec ça. Tu le chef, bonjour DG, tu vas pour ça. Oh, ça c'est une malade. Alléluia. Il y a beaucoup de stratégies pour amener ces personnes là à épouser Jésus-Christ. On doit se mettre les sorts pour nous donner des stratégies. Alléluia. La personne qui ne sait pas comment tu as activé ses pensées. En Jésus qui sont tes dons, les versets, on te donne tout. Alléluia. On vous donne tout. Il y a tout ici à l'église. Ce n'est pas les faux mots là qu'on commence à voir, non. Dis quand je vois ton visage est comme la première page de la Bible. Et le ciel là, ah oui, j'ai vu le ciel, j'ai vu Jésus. Quelqu'un dit, où est-ce? Alléluia. Amen. Mais vous devez rester calme. La malédiction existe. Mais quand tu prends Jésus, quand tu prends Jésus, tu prends une partie de toi, tu donnes à Jésus. Le reste, il va faire. Amen. Il va faire. Amen. Voici un code de la malédiction. Comment savoir que quelqu'un est maudit? Alléluia. Comment savoir que quelqu'un est maudit? Là, vous avez deux verres d'eau avec deux pots. Il y a le sucre et là. On va savoir là où la malédiction se trouve. En appuyant pour aussi l'expression physiologique. Alléluia. Il y a pas un truc là, je vais tourner là. Même un stylo. Seigneur, étends-moi. Seigneur, étends-moi. Seigneur, je suis étends-moi. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main.
Dieu te conduit. C'est pourquoi
de juger quelqu'un, il faut demander le discernement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Maintenant, lève ton bras en grâce à Dieu pour la parole. Aïe, 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 aïe. Jésus est intérêt. Seigneur est chez toi, prends tes vêtements, le travail, tes
donne la témoin. On va t'appeler pour dire que ta situation professionnelle a changé. Veille à ce que je te dis, témoin. Ta situation professionnelle va changer. Ton sort va changer. Il y a quelque chose qui va changer. On va te changer aussi de service. On va te changer de service. On va te changer de service. Dans ta vie, c'est quand tu lèves les chefs de ta clé matin. Maintenant, là, on va t'attendre avant de commencer le mariage. Alléluia. On va te donner une chaise rouge dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu as des témoins de 18 verset 4. Tu es béni au nom de Jésus. Tes enfants qui n'avaient pas la moyenne seront bénis au nom de Jésus. Tu as accusé tes enfants que toi tu es ma bouche, tu ne partais pas le vol. Tu ne le sais pas pourquoi. Ce n'était pas lui, c'est la malédiction qui était assise là. Le nom qui parlait là était en train de piétiner sa bénédiction. Le nom qui parlait est en train de piétiner sa victoire. Toi tu es un père. Comment ceci a parlé à ton enfant? J'ai jeté un enfant et pourtant ça ne vient pas de lui. C'est le père de ton père qui parlait dans la vie de ton enfant. Et tu veux faire des choses bizarres. Tu n'as pas connu le père de ton père, mais tu as donné le nom. Et toi, tu as le nom de ton père, le nom de ta mère. Puis pour ce nom-là, tu as changé le nom d'Abraham. Parce que le nom d'Abraham ne pouvait pas lui donner la multitude. Mais Dieu doit aussi changer ton nom ce matin. Il doit changer ton nom ce matin. On ne t'appellera plus mille, on t'appellera millionnaire. Et si tu étais millionnaire, on va t'appeler maintenant milliardaire. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu véritable. Il parle encore, il étudie encore. Il faut prier pour le pays. Amen. Il y a une bénédiction liée à la nation. Ne prie pas seulement pour toi-même. Je veux le travail, je veux la promotion, je veux le mariage. Maintenant, le pays. Là où tu vas déposer le travail, c'est toi qui as conçu une meuble là. C'est toi qui as nommé le ministre là. C'est toi qui as nommé le directeur. Mais prie, quand tu pries pour le pays, la prière là va impacter le ministre. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez prier pour le drapeau, le vert, le jaune et le bleu. Voyage, les autres aussi voyagent. Tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas aussi crier. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Maintenant les autres, tu es un peu un homme. Tu t'appelles pasteur. Un pasteur n'est pas fauchard. Un pasteur n'est pas singulier. Un pasteur, il est public. Amen. Arrêtez de prier au singulier. On prie au pluriel. Seigneur, j'ai besoin du travail, mais donne aussi à ce genre plus que les autres. Alléluia. Amen. Il y a des gens pour manger, ils sont obligés de se prostituer. Il y a des gens pour manger sont obligés vraiment de faire de n'importe quoi. Il y a des familles qui ne connaissent pas Bono, mais toi tu connais Bono. Il y a des familles qui ne connaissent pas toi en enfant, mais toi tu connais toi en enfant. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais été dans un véhicule appelé Yotai, sans café. Tu vas aller avec la clim, ça te tape au niveau des oreilles. Tu tapes aux oreilles, là, au genou, à la poitrine. Quand tu descends dans la voiture, première chose, tu appelles les gens au village. Je suis monté dans la voiture et tu peux la faire, les choses s'est passées. Mais Dieu va aussi te donner la même voiture. Amen. Alléluia. Amen. Regarde la voiture. L'évangéliste est né. Je vois une voiture Carina. Je ne sais pas, elle est en panne, mais il y a un rapport entre toi et cette voiture. Cherche à la restaurer rapidement, Karina. Première chose, tu demandes pardon à ton côté paternel et à ton côté maternel. Réponds-toi à zéro avec tes collègues. Change ton nom. Change ton nom. Dis, à partir de maintenant, je m'appelle Nouveau. Derrière ton nom, tu mets Nouveau. Moi, c'est Nouveau. Change-moi. Alléluia. Mmh. Ton petit prénom, à partir de maintenant, là, c'est maintenant. C'est-à-dire quelqu'un, même quand tu appelles l'évangéliste aimé, c'est même l'évangéliste aimé, c'est l'évangéliste aimé maintenant. Mmh. C'est-à-dire ton prénom, c'est maintenant. C'est pourquoi vous devez être maintenant. Dieu doit te bénir maintenant. Il doit te donner la voiture maintenant. Il doit te donner la santé maintenant. Il doit s'occuper de ta famille maintenant. Il doit te faire voyager. Je sais que tu es le vrai Dieu.
En train
de nous faire un western compliqué. Alléluia. Un western compliqué. C'est de la manière qu'on te donne même les chiffres en dollars. C'était compliqué. Mais la manière qu'on est venu te parler avec l'argent là, c'est venu jusqu'ici. Amen. Alléluia. Mais ça vient de m'en flamber, il a parlé de Dieu à l'international. J'ai connu trop de monde à l'international. J'ai aussi quand même beaucoup voyagé par la grâce de Dieu là-bas. Alléluia. J'ai rencontré deux fois l'argent monnaie, s'il met dans la bouche. J'ai dit, on va essayer de me remplir. Là, je vais me mettre même sans confiance. Mais comme je n'ai pas fait pellicule, malécule, je dis non, je cache. Alléluia. Amen. Sinon, je l'ai venu sans confiance. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alors ce matin, tu parles béni. Même si tu doutais encore de toi, bien aimé, tu peux douter de 1 plus 1. Mais tu ne peux pas douter de 2 parce que 2 c'est la réponse. C'est ça ou c'est pas ça? Vous savez, tu as été à l'image de Dieu quand tu fais ce livre. Lorsque Dieu a créé le poisson, il a parlé à quoi? À la mer. Il a parlé à l'eau. C'est l'eau-là qui nous lave. C'est l'eau-là qui nous purifie. Il a parlé à ça. Donc l'eau est soumise à nous. Pour seulement nous laver de tous nos péchés. Lorsque l'eau te lave comme ce matin-là, qu'est-ce que tu dois maintenant faire? Tu dois maintenant te poissonniser. Ça veut dire que tu es dans la poissonnance. Alléluia. Amen. Tu dois donner de la clarté. Il y a des poissons qui sont bons. Est-ce que moi je peux le faire? Alléluia. Amen. Qui mange le dauphin? Un animal affectif. En termes où tu le croises, et qui ouvre la bouche, tu penses qu'il y a de toi. Et qui va compter, c'est la mèche que tu as même là-bas. Alléluia. Amen. Ah oui, il dit la vérité. Donc, lui, il est tellement adorable. Lorsque l'Éternel a créé l'arbre, il a parlé à lui. Il a dit à la terre, bon, c'est moi le noyau de la mangue, mais là-bas, ça a poussé 7 ans plus tard. Tu vas recevoir les fruits. Il y a beaucoup de soucis des membres, mais Dieu a parlé. C'est pourquoi quand Dieu t'a créé, il s'est retrouvé vers qui? Lui-même. C'est pourquoi tu es à l'image de Dieu. Amen. Celui qui te dit Dieu est vilain, tu te fâches pourquoi? Tu dis tout. Seigneur, tu es à l'image de Dieu. Amen. C'est lui qui a créé mon père et ma mère. Si j'ai un gros nez, c'est parce que peut-être qu'ils étaient fâchés les deux. Donc ça s'est passé au niveau de la 14e paire de chromosomes. C'est pourquoi mon nez est devenu gros. Mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour beaucoup respirer. Mon ancien grand-père était asthmatique. Donc il est obligé de me donner un gros nez pour manger mon grand-père. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a des personnes, même quand tu es noir, il ne faut pas te plaindre. Tu veux te cacher devant plusieurs personnes. Il t'a donné le thé noir, la cité, pour qu'on ne puisse pas te reconnaître la vie. Pour commencer à intercéder. Acclame le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas te respecter, mais Dieu dit va créer quelque chose dans ta vie. Quelqu'un dit laisse tout d'abord créer. Dans la tête des femmes, Dieu peut créer les bons dieux. Juste pour qu'on commence à critiquer un peu ta tête. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es les bons dieux, il ne faut pas qu'elle la compte. Alléluia. Il faut bénir l'Éternel. Il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu n'a pas donné la taille. Tout simplement pour être en communication avec le sol. Nous avons créé nos problèmes. Tu dois communiquer au coulou. Alléluia. Tu as donné ça à tout le monde. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre son temps à critiquer. Oh là-bas, oh ceci, c'est pas nécessaire. Alléluia. À partir de maintenant, il faut commencer à changer avant de ton retour. Si tu n'as pas maintenant, tu dépasses tes gamins, tu nous sens. Je vais changer cette affaire-là. Je vais changer cette affaire-là. Je vais changer ce nom de Jésus. Alléluia.
C'est pourquoi tu dois commencer aussi à regarder le clavier de ton voisin. Regarde le clavier de ton voisin. Regarde si ton voisin réellement, il a les dents complètes, tout est là. Regarde si la bouche paix est là. Alléluia. Regardez, hé, hey, hey, c'est un seul.